Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec une partie de l'équipe puisque Mohamed Bouafsi n'est pas là, il sera de retour ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir Elisabeth. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Un scandale alimentaire dont on ne connaît pas encore l'ampleur. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a déjà 2 enfants morts, des dizaines d'autres qui sont à l'hôpital pour des infections graves liées à la bactérie E. coli. Tous ont mangé des pizzas Fresh Up de la marque Buitoni. On en parle avec le professeur Gilbert Deray et la journaliste Marie Dupin qui a mené l'enquête pour RMC. Ils seront tous les deux dans un instant sur notre plateau. Patrick, votre édito ce soir. Je vous parlais des cabinets de conseil privés qui ont infiltré l'État. Enfin, infiltré, c'est le titre du livre de Mathieu Aron, en tout cas, qui donne des conseils nombreux et bien rémunérés à l'appareil d'État depuis des années et qui... provoque une affaire aujourd'hui. Oui, qui provoque même une polémique, là, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Mathieu Aron, grand reporter à l'Obs et co-auteur de ce livre enquête. Et ce soir, notre invité à ses côtés, l'économiste Jean-Charles Simon, signature d'une tribune ce matin dans Les Échos. Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir. Alors, j'ai 2 choses à vous dire. D'abord, il va neiger demain et c'est pas un poisson d'avril. On va faire un petit point météo. On va même entendre Laurent Romeshko tout à l'heure. Et puis, beaucoup plus sérieux, on va revenir sur la guerre en Ukraine avec l'écrivain le plus célèbre en Ukraine. Il s'appelle Andrei Kourkov. Il est arrivé hier à Paris, il repart demain, il retourne en Ukraine demain. Il a choisi le plateau de C'est à vous, on va parler de son pays bien sûr. C'est dans le 5 sur 5 de Mathieu. Et Pierre, dans votre œil ce soir. Juste un conseil, quand vous êtes au téléphone et que vous dessinez machinalement quelques gribouillis, ne jetez rien. On expose en ce moment à la Villa Médicis des gribouillis célèbres de Léonard de Vinci, Cy Twombly ou Dubuffet. Je vous montre tout ça tout à l'heure. Et je gribouillerai pendant toute l'émission jusqu'à votre œil histoire d'essayer de produire une œuvre d'art. Nos invités ce soir du dîner, Macha Meryl à l'occasion de la sortie de l'anthologie de l'œuvre de Michel Legrand et Jean-Pascal Zadi qui prête sa voix à un requin dans un film d'animation que vous allez adorer. Ça s'appelle Les Bad Guys. Le dîner ce soir est préparé comme tous les soirs cette semaine par Stéphane Bureau, notre chef du Loir-et-Cher. Bonsoir cher Stéphane. Bonsoir. Au menu ce soir. Alors ce soir, je vais vous concocter en fait une volaille fermière à la vanille, c'est un peu particulier, avec un travail sur les topinambours. Ah, ben moi j'avais des esturgeons au menu, j'ai à chaque fois le mauvais demain. Menu. Voilà, et on les mains la bouillabaisse. Merci chef, à tout à l'heure. C'était un univers assez peu connu, celui des cabinets de conseil, et un nom qui ne parlait qu'à des initiés, McKinsey. Mais un rapport explosif du Sénat a tout changé, il dénonce un recours trop important aux prestataires privé pour l'État, par l'État pour le guider. À 10 jours du premier tour, la polémique ne faiblit pas, à tel point qu'hier, 2 ministres du gouvernement s'en sont expliqués devant la presse. Nous avons voulu vous réunir ce soir pour démontrer que nous n'avons rien à cacher. Le quoi qu'il en coûte a demandé et a mobilisé une énergie considérable au sein de l'administration, parfois, c'est vrai, avec des renforts. Les cabinets sont utiles quand ils sont à leur juste place. Nous en avons... un usage qui est modéré et justifié. Nous ne pouvons pas tolérer que depuis quelques jours, ce rapport, qui n'est pas de notre fait, soit détourné, 1 milliard ceci, 1 milliard cela, et on est très très loin de la réalité. On est quasiment à 1 milliard, hein. Ouais. À 1 milliard. 1 milliard donné à des cabinets privés d'expertise. C'est en gros des gens qui prennent votre montre pour vous donner l'heure, qui font de beaux PowerPoint, qui essayent de vous montrer comment on peut faire mieux avec moi. Et alors, en réalité, le contribuable dans cette affaire se fait plumer 3 fois. C'est pas seulement un problème de gaspillage, c'est un problème de conflit d'intérêts au sommet. Faut le dire quand même, c'est un scandale d'État. Depuis que le gouvernement semble, dans cette affaire, avoir quelque chose à cacher. On a l'impression que ça n'est pas transparent. Et c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Patrick, éclairez-nous s'il vous plaît sur ces cabinets privés devenus omniprésents dans l'appareil d'État. La première fois qu'ils sont apparus au grand jour, c'était en 2007. Nicolas Sarkozy, à peine élu, lance sa révision générale des politiques publiques, RGPP, vaste chantier destiné à réduire de 1% les dépenses de l'État en ne remplaçant qu'un fonctionnaire à la retraite sur 2 et confié à 2 sociétés de conseil, une allemande, Roland Berger, et une américaine, Deloitte, avant qu'une armée de technos surdiplômés venus d'autres cabinets ne déboule dans les ministères pour faire la chasse au gaspille. L'un des rapports a même établi des critères pour donner une note à chaque ministre pour évaluer sa performance. C'était lunaire, je me souviens que Christine Albanel à la culture devait être jugée entre autres sur le nombre de films projetés en salle chaque année. Bon, finalement, il n'y a pas eu de note.
boîte. L'État a un peu maigri, mais les consultants s'y sont installés. Ils sont revenus en force pour le choc de simplification voulu par François Hollande. À chaque réforme, idée de réforme, réorganisation ou événement imprévu, le recours à ces cabinets est devenu un réflexe. D'abord pour des conseils et prestations informatique, c'est le gros des missions, et y compris dans des grandes collectivités, y compris dans la région Île-de-France. On a entendu Valérie Pécresse protester il y a un instant. Pardon. Et vous allez nous demander si c'est une spécificité française. Et je vais vous répondre que non, au contraire, la France a longtemps résisté à ces pratiques anglo-saxonnes. Elle est encore l'un des pays européens qui fait le moins appel aux cabinets de conseil, environ 3 fois moins qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, même si les comparaisons sont difficiles. Mais depuis 10-15 ans, le recours au privé est devenu systématique, pas seulement dans les pays développés, d'ailleurs au Sénégal par exemple, le PSE, le plan Sénégal émergent de Macky Sall a été élaboré avec le cabinet McKinsey. Et le recours à cette expertise externe a augmenté avec Emmanuel Macron ? Oui, elle a augmenté au long du quinquennat. On va le voir sur ce tableau, en partie à cause de la crise du Covid, mais impossible de comparer avec les quinquennats précédents parce que le système est complètement opaque. Le chiffre de 2014 est tiré d'un rapport de la Cour des comptes qui réclamait la transparence et qui restait au fond d'un tiroir. Et sans la commission d'enquête du Sénat, eh bien, on n'aurait pas eu les autres chiffres. L'État ne sait pas combien il dépense pour ses missions privées et pour ses consultants payés très cher. Il ne sait pas combien il dépense au total, évidemment. 1500 à 2000 euros par jour et par personne et des consultants qui travaillent dans la discrétion. La coutume est de ne pas mettre le logo du cabinet sur les documents qu'ils rendent. Et il n'y a personne pour évaluer les évaluateurs. L'un de ces cabinets particulièrement visé, McKinsey, y a-t-il une affaire, McKinsey ? Alors d'abord, ce qui est avéré, les liens entre McKinsey et Emmanuel Macron. Plusieurs cadres du cabinet américain ont participé bénévolement à sa campagne de 2017 et le président a nommé un ancien de McKinsey à la tête de l'école polytechnique. McKinsey a été sollicité pour la gestion de la campagne vaccinale, des tests et du pass sanitaire. 12 millions d'euros lui ont été versés en tout, en plusieurs contrats, ce qui est une goutte d'eau dans les milliards dépensés durant la crise. McKinsey ne vit pas de la commande publique, c'est seulement 5% de son chiffre d'affaires en 2020. Et ce cabinet n'a pas un rôle prééminent dans la répartition du marché de conseil au ministère. Il n'en a obtenu que 1% d'après la commission d'enquête sénatoriale, loin derrière les deux groupes français que sont Eurogroup et Capgemini. On ne peut pas parler d'un traitement de faveur, d'autant qu'il y a des procédures, des appels d'offres. Tout ça est régulé, réglementé. Enfin, il y a la question fiscale. McKinsey a-t-il échappé au paiement de l'impôt sur les sociétés par des voies légales ou non ? La justice est saisie et un contrôle fiscal est en cours. Jean-Charles Simon, la société que vous présidez, Station, oui. Spécialisée dans les statistiques, effectue également des missions de conseil. Vous signez une chronique, une tribune ce matin dans Les Échos intitulée oui. McKinsey, nouvelle exutoire populiste. Pour vous, il n'y a pas d'affaire McKinsey ? Comme c'était rappelé, McKinsey, c'est un assez petit acteur du marché du conseil au secteur public. Et c'est le conseil au secteur public, pour lui, une assez petite part de son activité. Il faut voir que McKinsey fait donc que 5% de son activité sur le secteur public, c'est-à-dire moins que le marché en moyenne qui fait 10% sur le secteur public. Et d'ailleurs, là-dessus, en fait, il y a des chiffres historiques. Les chiffres historiques, c'est ceux de l'industrie de conseil oui. qui existe, qui remonte à beaucoup plus loin et qui montre que le pic du recours au conseil du secteur public, ça a été 2009-2010. Oui, c'est vrai, mais c'est les seules sources. C'est 2009-2010, ça, c'est la Fédération européenne des organisations de conseil, et elle, en fait, elle regroupe toutes les données qui servent en fait en statistiques publiques à dire combien le conseil fait dans le PIB, ouais. et qui dit, voilà, par exemple, en ce moment, on sait que ce conseil-là fait à peu près 7,5 milliards d'euros en France, dont 10%. Pour le secteur public, c'est ce que dit l'industrie, elle, sur ses commandes et ses clients. Et pourquoi dites-vous que c'est une cible idéale du populisme exacerbé ? Expliquez-nous cette idée. Si vous voulez, McKinsey, là, dans le rapport, ce qui est quand même sidérant par rapport à justement à cette petite part de McKinsey dans le sujet, c'est que McKinsey est cité quasiment 500 fois, 477 fois pour être précis, dans le rapport de la commission sénatoriale, alors même que des grands groupes que vous citiez ne sont même pas cités et qu'ils ont une part de marché bien plus importante. C'est à cause du dernier chapitre. Alors, c'est-à-dire pourquoi sur, quand les enquêteurs ont trouvé dans à Bercy que... Il y avait des connivences ou des passe-droits peut-être. Que l'impôt sur les sociétés n'avait pas été payé. Alors, je pense que la proximité que vous évoquiez entre quelques membres à titre privé de la campagne de Macron en 2017 joue aussi la première page du rapport du Sénat pour montrer combien elle est objective, un rapport initié par le groupe communiste du Sénat et dirigé par lui,
c'est un pognon de dingue. Donc on voit tout de suite quand même qu'est-ce qui est ciblé. Et donc pourquoi McKinsey ? Bah parce qu'en fait McKinsey, ça sonne un peu, je le dis dans la chronique, comme Rothschild, comme Goldman Sachs, comme BlackRock, c'est-à-dire les sortes de groupes qu'on ne connaît pas, qui sont très très méconnus du grand public, hein, c'est des activités qu'on ne connaît pas, américains, et qui sont en fait au sommet de la pyramide de leur secteur. C'est-à-dire c'est le plus prestigieux au monde dans cette activité-là. D'accord. Donc ils sonnent un peu élitistes et cercle les plus dirigeants. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a voulu en faire un symbole. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas enquêter sur eux, Mathieu Aron ? Je ne crois pas. Je ne partage pas totalement votre sentiment, même si je comprends ce que vous dites. C'est vrai que McKinsey a relativement peu de marché en termes numériques. Après, quand on regarde les marchés qu'a McKinsey, on s'aperçoit que ce sont des marchés à haute valeur stratégique. On ne confie pas n'importe quel marché à McKinsey. Le fait de lui confier le marché de la vaccination en France, ça veut dire qu'on a une confiance réelle dans ce cabinet. Le fait, il y a plein de contrats comme ça. Nous, on en cite de nombreux dans le livre, parce qu'on essaye de détailler un petit peu tout ce phénomène. Par exemple, en février 21, le ministère des Finances a confié un contrat à McKinsey de 18 millions d'euros pour l'aider à faire des économies dans le budget de la France, pour l'aider à savoir où il fallait acheter dans plusieurs secteurs. Ce sont des contrats qui sont assez fondamentaux. Au Sénat, il y a eu cet exemple qui a un peu surpris tout le monde, mais qui est assez parlant quand même. Aller confier au cabinet McKinsey un contrat pour savoir quel devra être ou quel sera le métier d'enseignant dans les années futures, ce n'est pas des contrats qui sont tout à fait anecdotiques. On est là dans quelque chose qui est assez fondamentalement politique en réalité. Et tout le débat de cette histoire, c'est de savoir est-ce que ces cabinets de conseil donnent des conseils qui ont une valeur politique ou pas ? Et finalement, de quel service public on veut demain ? Est-ce qu'on veut un service public qui serait amaigri en termes numériques ? Mais parce qu'on confierait un certain nombre de missions aux consultants privés, ce qui est un choix de société, ou est-ce qu'on veut un service public plus fort ? Et nous, pourquoi on a fait le livre ? C'est pour dire, ce phénomène, il est encore inconnu en France. Les chiffres ne sont pas connus. L'importance de ces cabinets de conseil au sein de l'État ne sont pas connus. C'est pour ça qu'on a dévoilé ça, en sachant, et je termine, qu'en Allemagne et en Angleterre, où effectivement les chiffres sont supérieurs, les deux dernières années, il y a des scandales qui sont apparus, très importants, de la même importance que la polémique qu'il y a en ce moment en France. Ils s'interrogent vraiment sur le rôle de ces cabinets de conseil. Par exemple, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, qui était ministre de la Défense en Allemagne auparavant, a dû s'expliquer, a reconnu des fautes, d'ailleurs, parce qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent dans des conseils pour savoir comment réorganiser les armées allemandes. Et en Angleterre, Boris Johnson a eu le même problème. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui montre une évolution de la société dans nos démocraties. C'est ce qu'on veut expliquer dans le livre, en fait. Vous parlez de putsch, donc de prise de pouvoir, qui est une prise de pouvoir politique. Il est vraiment là, le problème. Le mot putsch, il n'est pas anodin. Non, il n'est pas anodin, mais si vous voulez, on parle aussi d'un autre terme. Alors, je l'explique. C'est peut-être un peu excessif, mais c'est pour frapper, c'est de suicide assisté. L'État confie des missions essentielles à ses cabinets. Quelque part, l'État ne remplit pas ou ne remplit plus tout à fait les missions dont on pensait qu'il les exerçait. Et c'est véritablement le phénomène. Alors, le Sénat parle de phénomène tentaculaire, si vous voulez, mais quand on regarde comment on l'a fait, quand on détaille des milliers de contrats, on s'aperçoit que ces cabinets sont présents dans le monde de la défense, énorme contrat dans le monde de la défense pour réorganiser ou aider à la réorganisation des armées, dans l'éducation. Ils sont présents dans toutes les grandes écoles. Un étudiant sur trois qui sort d'HEC ou de centrale polytechnique devient consultant aujourd'hui, ce n'est pas anecdotique. Quand on fait des états généraux de la justice, on les confie à qui ? Un cabinet de consultants. Et dans la santé publique... La réforme des retraites. Quand on parle de santé publique, la réorganisation des hôpitaux, le fait qu'il y ait moins de lits dans les hôpitaux, pendant 15 ans, les cabinets de conseil ont été ultra présents dans toutes les réformes hospitalières. Donc, et on voit à quel point elles sont dénoncées, d'ailleurs. Je crois que les Français ne le savaient pas. Ouais. Voilà. Et qu'il y a une sorte de dépendance au cabinet de... Mais c'est faux. À ces cabinets-là, si, c'est devenu un réflexe, presque une drogue. 0,3% des moyens, des ressources humaines du secteur public en France. Et en fait, donc, quand on rapporte ça justement dans les pays en question, c'est 5 fois plus, cette fois le ratio, en Allemagne et au Royaume-Uni. En Allemagne et au Royaume-Uni, c'est parce qu'il y a eu, comme ici, avec votre livre ou avec la commission d'enquête du Sénat, des gens qui ont voulu faire un coup politique en mettant en cause ce système. Mais ces cabinets-là...
C'est une erreur totale d'imaginer que ce sont des décideurs, ce sont des prestataires, ils ne décident de rien. Un consultant ne décide de rien. Ils influencent sur des décisions, ils pèsent sur des décisions. Ils font des constats, ils font un travail. L'essentiel du conseil dans l'organisation, d'ailleurs je pense que le mot conseil en fait trompe un peu les gens, parce que les gens imaginent une sorte de gourou qui tirerait des ficelles. C'est absolument pas le cas, ce sont des gens... Ils tirent des conclusions qui influencent ou qui sont à l'origine de réformes. C'est le politique qui décide. Sinon ils servent à quoi ? Non, eux ils font pas ça, c'est pas ça l'essentiel de leur mission. Ce qui a été cité par monsieur, c'est son émission totalement anecdotique. 95%. Oui, comme vous dites, 95%. La réorganisation de nos hôpitaux, la réorganisation de nos armées, c'est totalement anecdotique. Non, parce que, ça, c'est que vous citez des choses qui sont des choses, des missions à mont très courtes, toutes petites. La mission éducation nationale, c'est 500 000 euros. Et donc, en fait, 95% des missions de prestation de conseil en organisation, c'est quoi ? C'est on accompagne un choc, un projet. On a besoin d'un renfort de moyens parce qu'on n'en a pas assez. Et toutes les organisations au monde font ça. Toutes les organisations au monde font ça. Les collectivités locales françaises, bizarrement, le Sénat, qui, c'est pourtant ses électeurs, ne s'interrogent absolument pas là-dessus. Les collectivités locales font exactement pareil. C'est la mort du rapport, les collectivités locales font pareil. Les États, donc étrangers, on l'a dit, font pareil. Mais le privé, chacun imagine bien que le privé ne dépense pas par plaisir plein d'argent auprès des cabinets de conseil. Et bien, il dépense beaucoup plus que le public en prestation de conseil. Et si vous voulez ces missions-là, je termine juste sur le métier de consultant. Le métier de consultant en organisation, les gens, je crois, ne comprennent pas ce que c'est. Quand on prend justement la campagne vaccinale, c'est quoi ? C'est organiser de la logistique, faire de la coordination d'équipes qui doivent travailler ensemble, prévoir des validations, s'assurer que les choses sont bien faites. Ce sont des faisants, ce sont des gens qui exécutent. C'est ça 95% de leur job. C'est pas de dire la réforme des retraites doit être à 65 ans. Ça, c'est le politique qui dit. Le politique dit ça et le cabinet de conseil, on va lui dire regardez-moi les exemples étrangers, quel chemin ils ont suivi. Mais combien ça veut dire que les fonctionnaires, eux, n'ont pas ces compétences. Mathieu Aron. Les fonctionnaires, en fait, ils ont plein de compétences, mais ils sont pris. C'est pas leur métier de faire Mathieu ça. Aron. Donc il y a besoin d'un renfort. Il y a quand même quelque chose qui me surprend dans votre discours, c'est que d'un côté, l'État. Alors vous dites que ce n'est pas grand-chose, un milliard, dont acte. 0,3% de la masse salariale. Alors on peut le voir et le lire comme ça, et on peut aussi dire que 1 milliard d'euros, c'est le montant qu'a dégagé péniblement Éric Dupond-Moretti pour venir en aide aux magistrats et à la justice de ce pays, qu'un milliard d'euros, c'est un tiers du budget de la culture en France. Voilà, donc 1 milliard d'euros, ce n'est pas rien. Mais surtout, comment peut-on dire que les consultants, en fait, ils ne font pas grand-chose ? Allez, ils font pas grand-chose, bon, sauf que, on les paye 1500, 2000, 2500 euros la journée de travail. Parce qu'ils sont une c'est loin du salaire temps. Des fonctionnaires. Oui, parce qu'une bonne partie du temps, ils ne sont pas en mission. De surcroît, de surcroît. Mathieu, on va chercher, vous répondrez. Si j'ose dire, les élites de ce pays. On va chercher les meilleurs étudiants à Polytechnique, à Centrale, qui devraient être dans la haute fonction publique. Mais pour faire ces rapports. Et on nous explique ensuite que ces rapports, oh non, non, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez raison. Les cabinets de conseil ne décident pas. Dans les rapports qu'ils ont, pour en avoir lu quelques-uns, c'est des rapports qui font 150, 200 pages. Ils présentent les solutions possibles, les scénarios possibles aux politiques, et systématiquement, ils priorisent un scénario, en expliquant, voilà, si on était vous, c'est le scénario qu'on suivrait, nous. Souvent, le politique, qui n'a peut-être pas étudié cette question d'aussi près, va prendre forcément la solution qui est privilégiée par le cabinet de conseil. C'est en ça qu'ils ont de l'influence. Il faut savoir que ces cabinets de conseil, mais là, je parle des grands cabinets de conseil en stratégie essentiellement, hein. Je ne parle pas de petits cabinets. Les grands cabinets de conseil en stratégie sont présents dans les ministères. Ils rencontrent perpétuellement les membres des cabinets ministériels ou les directeurs du cabinet. Ils viennent proposer systématiquement leurs services. Quelques donc, éléments de réponse, quand même. Voilà. Vous avez fini votre phrase ? Quelques éléments de réponse. D'abord, l'État ne pourrait pas recruter ses collaborateurs. Et c'est pareil d'ailleurs pour les entreprises du secteur privé. C'est-à-dire que ces collaborateurs-là, ils veulent travailler dans le conseil, ils le veulent. Ils sont très bien payés pour ça et ils n'iraient pas ailleurs. Ils n'iraient clairement pas ailleurs. Et ça, c'est pareil pour le secteur privé, si vous voulez. Le secteur privé a besoin de ressources temporaires d'excellence qu'il ne trouverait pas s'il cherchait à les recruter. Et surtout, il n'y arriverait pas parce que ça lui prendrait beaucoup donc trop de temps. Donc c'est la privatisation par rapport à un objet. Du service public, on y vient. Pas du tout, parce que ce sont des missions qui sont très ponctuelles. Et encore une fois, les rapports, c'est une mauvaise image du métier du conseil. Le rapport, c'est un tout petit bout du consulting. C'est vrai la mission du conseil, c'est des gens qui travaillent comme des bêtes pendant des heures, pendant des journées à rallonge, sur comment faire, comment exécuter, comment réaliser, comment mettre en œuvre. C'est ça, et c'est pas du tout, j'ai jamais dit que c'était pas important, c'est au contraire super important, mais ce n'est pas de l'activité politique, ce n'est Mathieu Aron et Patrick. Juste en deux mots,
dans le livre, on dévoile un peu les ressorts de tout ça. Et véritablement, ce qui nous est apparu important, c'est que l'opinion publique, le citoyen en France, ne connaissait pas cette problématique. Ça, c'est sûr. Dans 10 jours, on ne va pas voter pour des cabinets de conseil. On va voter pour des candidats. Si par après, ce sont les cabinets de conseil qui exercent cette politique, ça pose un problème de légitimité. Mais c'est pas du tout le cas. Ça pose un problème. Laissez-moi terminer. Ça pose un problème de légitimité démocratique. Et le choix essentiel. Mais les deux choix peuvent se comprendre. Hein. J'insiste. Les deux choix peuvent se comprendre. Soit on veut une société où on estime, pour X raisons, que nos services publics doivent peut-être se recentrer sur quelques missions, mais doivent maigrir et qu'on doit externaliser toute une série de missions au privé, ce qui est une vision de la société. Monsieur. Soit on pense qu'on veut renforcer nos services publics. C'est le choix de fond, il est là, et c'est ce qu'on explique dans le livre. Je ne veux pas essayer de vous réconcilier, mais je pense que le choix n'est pas forcément aussi binaire. Ce qu'on a, quand on appelle le conseil stratégique, c'est ce qui est appelé dans les rapports officiels l'aide à la décision. Et bien sûr. Et cette aide à la décision, voilà, c'est toute l'ambiguïté du truc. Est-ce qu'il y a la décision dans le rapport ou est-ce que la décision, elle revient aux politiques et sans... Je suis d'accord avec vous, Patrick. Voilà. Quand on trouve dans les projets de loi des extraits, les extraits des rapports des cabinets de conseil qui sont systématiquement anonymisés pour que ce soit les ministres qui présentent ces rapports au nom d'un ministère, alors qu'on sait que ce sont des cabinets de consultants qui les ont rédigés, quand même, ça pose question. Pour aller dans votre sens, il y a une forme de consanguinité, puisqu'on est en période de campagne électorale. Oui. Il y a des exemples cités dans votre livre. Boston Consulting a élaboré en partie le programme de Nicolas Sarkozy en 2007. McKinsey a participé à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron en 2017. Et de la même façon, Roland Berger a collaboré à celui de François Fillon. Et je crois qu'à la main que vous dites dans le livre, Emmanuel Macron, c'est l'idole des consultants. Le Emmanuel Macron de 2017 qui promet un monde nouveau et qui va mettre en quelque sorte à bas les corporatismes, dont on sent qu'il n'a pas une affection profonde pour la fonction publique, c'est effectivement l'idole des consultants. Et Alain Minc nous raconte en deux mots, les consultants estiment qu'Emmanuel Macron pense comme eux, il s'habille comme eux, il a le même langage qu'eux. C'est pour ça qu'il y a une forme, si vous voulez, de symbiose culturelle. Ici, je ne parle pas du tout, moi, d'échanges rendus, etc. Je parle qu'il y a une symbiose culturelle. On parle la même langue. Voilà. On voit bien qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, l'État n'a pas été vendu aux consultants, pas du tout, et c'est jamais le consultant qui décide. Ce n'est encore une fois qu'une aide complémentaire à la fonction publique. Mais qui doit être transparente, expliquer aux citoyens qui doivent comprendre comment sont prises les décisions. Bien sûr que ça doit être transparent, il n'y a aucun problème sur la transparence. D'ailleurs, tout est passé par appel d'offres. Les appels d'offres sont hyper concurrentiels et ouverts à tous les cabinets. Pierre. Vive la transparence, mais vous avouerez que ça tombe mal que le Sénat accuse en même temps McKinsey de ne pas avoir payé d'impôts sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. 9 exercices consécutifs. Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, a dit hier soir que la situation fiscale de McKinsey, comme tout un chacun, est protégée par le secret fiscal, mais qu'une opération de contrôle a été lancée fin 2021. C'est là que ça la fout mal, comme oui, on dit. Absolument, et c'est pour ça qu'il y a un coup politique, à mon sens. Parce qu'en fait, il y a des milliers d'entreprises qui sont dans la situation de McKinsey en France. Le ministre de l'Économie le rappelait à propos des GAFAM. C'est-à-dire qu'en fait, on a des sociétés qui ont des groupes mondiaux et qui considèrent qu'elles ont des charges de redevances, notamment à d'autres entités de leur groupe, mais ça marche d'ailleurs entre la France et d'autres pays, dans les deux sens, prix de transfert, et que dès lors, elles ont un résultat imposable nul. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est légitime ou pas légitime? Il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, donc le fisc enquête et dira s'il y a matière à redresser, et s'il dit qu'il y a matière à redresser... Banal, ce matin, c'est un cas banal, c'est un cas banal. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie disait, lui, pour Google, la justice fiscale a eu raison, pour plein d'autres cas, la justice fiscale n'a pas raison. Mathieu Aron. Dire que c'est un cas banal et finalement que plein d'entreprises font la même chose, moi ça m'inquiète beaucoup. Hein. Je vais être très honnête et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui se disent effectivement si les grandes sociétés ne payent pas d'impôts sur les sociétés, quand même il y a un petit souci. Au-delà de ça, il y a quand même un truc exceptionnel. McKinsey, c'est la Rolls des cabinets de conseil. Les consultants, c'est franchement les plus grosses têtes. On fait payer des prix à la journée de 2000, 2500, 3000 jusqu'à 5000 euros pour les conseillers seniors. Et en même temps, ce cabinet qui conseille les gouvernements pour avoir de meilleures performances présente depuis 10 ans des bénéfices nuls. Des bénéfices nuls. C'est à Mathieu Aron de répondre. Et après, on devra conclure. Et quand McKinsey va voir le ministère des Finances et que McKinsey se voit attribuer un contrat, encore il y a un an, de 18 millions d'euros, il n'y a personne
au ministère des Finances, alors que pour ces contrats, ils doivent systématiquement présenter leur déclaration d'impôt, hein, ces sociétés, c'est vérifié à chaque fois, il n'y a personne au ministère des Finances qui se dit, quand même, c'est bizarre que la Rolls des consultants... Non, c'est une précision importante. Pour participer aux appels d'offres, absolument. Il faut présenter... Et donc ce cabinet de conseil n'a pas fait de bénéfice depuis 10 ans, et c'est lui qui va m'aider... à être plus performant, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Mondial, c'est que le groupe mondial est bénéficiaire. Et c'est le groupe mondial qui compte. Et ça, c'est pareil pour les groupes français dans l'autre sens. Bon. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu débattre de cette question complexe, mais essentielle, vous l'avez raison, à un moment crucial de la campagne. Jean-Charles Simon, économiste, président de Station. Je renvoie à votre tribune dans les échos, McKinsey, nouvel exutoire populiste. Et puis Mathieu Aron, grand reporter à l'Obs et co-auteur avec Caroline Michel-Aguirre des infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est à vous. Merci. Émilie, est-ce que nous sommes à la veille d'un nouveau scandale alimentaire de grande ampleur ? Depuis plusieurs jours, il y a un produit, en tout cas une marque, qui fait la une des journaux. Attention aux pizzas surgelées Fresh Up de la marque Buitoni. Il ne faut surtout pas les manger. Les autorités de santé ont confirmé aujourd'hui le lien entre certaines pizzas surgelées de la marque Buitoni et des cas assez nombreux de contamination. La consigne, si vous avez ce type de pizza, c'est qu'il faut les jeter. Hein. C'est la consigne qui a été donnée. Ces pizzas Fresh Up de la marque Buitoni seraient donc responsables d'une épidémie d'infection grave due à la bactérie E. coli, dont on ne connaît pas encore l'ampleur. Voici les derniers chiffres connus au 28 mars. 75 cas recensés pour le moment un peu partout en France, dont 41 cas graves. Il pourrait y en avoir plus. Certains cas sont non recensés. Louis Amar et Mickaël Robert ont rencontré Françoise Rey, 66 ans. Elle a mangé une de ces pizzas juste avant de partir en vacances. J'ai dégusté la pizza le jeudi 10 février. J'ai eu des premiers troubles le lundi soir suivant. J'ai eu énormément de diarrhée, vomissements, tremblements, fièvre. Ça a duré sur 4 à 5 jours. Est-ce que vous avez eu peur que les symptômes ne s'aggravent ou ne dégénèrent à un moment ? Tout à fait. On a même envisagé un moment d'aller aux urgences parce que vraiment je ne tenais plus sur mes jambes. Mais les premiers touchés, ce sont les enfants. L'âge médian des malades est de 7 ans. Deux sont décédés. Depuis plusieurs jours, on voit les témoignages de parents se multiplier, des parents désemparés face aux symptômes graves. Le 10 mars, ma petite fille a commencé à avoir des diarrhées sanglantes, des crampes d'estomac. Elle n'arrivait plus trop à se tenir debout, elle n'était pas bien. On voyait que la force diminuait vraiment. Il a vomi quasi 9 jours, 7 fois par jour. Il est parti en service de réanimation pendant 3 jours. Il a été perfusé, sondé, transfusé. Tous disent la même chose, ils sont choqués, leur vie est en suspens. C'est le cas de Leslie Michael, parent d'une petite Bérénice de 6 ans. Une petite fille qui vit près de Tours, qui est tombée malade après avoir mangé une de ses pizzas le 16 mars dernier. Depuis, elle est hospitalisée dans le coma sous respirateur. La vie s'est arrêtée. On n'a plus de vie depuis le dimanche 20 mars, on n'a plus de vie, tout simplement. Notre vie va tourner autour de l'hôpital pendant au moins plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Ça a été la descente aux enfers parce qu'elle a plongé les reins, ça a commencé par les reins, c'est remonté au cœur et ça a dégagé beaucoup de toxines qui ont atteint le côté un peu neurologique et l'ont fait un peu avoir des amnésies, avoir des hallucinations. A eu lieu le premier arrêt cardiaque avec massage de plus d'une heure pour que ça reparte et c'est reparti heureusement. Professeur Gilbert de Rey, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonsoir, merci de votre présence. À vos côtés, Marie Dupin, journaliste à RMC. Vous menez l'enquête depuis que ces fameuses pizzas ont été rappelées, c'est-à-dire depuis que l'appel a été lancé pour que les Français arrêtent de les consommer. La France est donc face à cette épidémie d'infection grave liée à des bactéries E. coli de la plus grande ampleur jamais vue. En France, le lien est désormais établi avec la consommation de pizza surgelée. Mais en réalité, Marie Dupin, cette épidémie, elle a commencé à inquiéter les autorités sanitaires dès le mois de janvier. Oui, effectivement, les autorités sanitaires ont remarqué dès la mi-janvier qu'il y avait une recrudescence de ce syndrome grave d'intoxication alimentaire, dont on parlera peut-être plus en détail. Dans un instant. Dès mi-janvier. Mais elles ont été retirées. Effectivement, le retrait n'a eu lieu qu'il y a 2 semaines. Parce qu'il a fallu plus de 2 mois pour identifier l'origine de cette épidémie. Voilà. Bon, il y a habituellement déjà dans tous les hôpitaux, il y a une centaine de cas de ce syndrome grave chaque année. Et là, effectivement, il a fallu le temps d'identifier qu'il y en avait plus. Et ensuite, il y a la question de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fallu 2 mois, effectivement, pour retirer toutes ces pizzas. Il y a plus de 100 000 de ces pizzas qui sont produites par semaine
par une pizza toutes les deux secondes, une pizza Buitoni toutes les deux secondes vendue en France. Et là, il y a eu un rappel massif de toutes les pizzas commercialisées par la marque depuis juin 2021. C'est parce que ce sont pizzas de la gamme Fresh Up, voilà, plus précisément. Si le lien a été établi, c'est parce que la fameuse bactérie a été retrouvée par la DGCCRF dans la pâte. La répression des fraudes, voilà. Ben, ils ont retrouvé effectivement une bactérie d'Escherichia coli virulente. Hein. C'est pour ça qu'elle a provoqué ces syndromes d'intoxication alimentaire grave chez les enfants. Et elle a été retrouvée effectivement dans la pâte de plusieurs pizzas non consommées. Encore dans l'usine, avant qu'elle soit commercialisée? Alors ça, on n'a pas l'information. D'accord. Cette bactérie, professeur Deray, provoque ce qu'on appelle un SHU, syndrome hémolytique et humérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette bactérie et ce qu'elle provoque? Alors d'abord, les Escherichia coli, on en a plein en nous. Dans le microbiote digestif, on a, comme vous le savez, plein de bactéries, dont celle-là. Alors évidemment, celle qu'on a en nous, elle est gentille. Elle est même favorable. Et le problème, c'est qu'il y a certaines souches, il y a plein de Escherichia coli, qui sont méchantes, très méchantes, parce qu'elles sécrètent une toxine qui s'appelle la shigatoxine. Et cette toxine va attaquer nos cellules. Et lorsqu'on consomme des aliments, puisque c'est souvent avec les aliments, pas forcément qu'avec les aliments, ça peut être aussi une eau souillée, ça peut être un contact avec les bovins, ça peut être de personne à personne, mais souvent c'est les aliments. Eh bien, si on est intoxiqué par cette Escherichia coli et cette toxine, à ce moment-là, cette toxine, elle va attaquer nos cellules. Elle va commencer par le tube digestif, et à ce moment-là, ça va provoquer le classique diarrhée, trouble digestif et du sang. Puis ensuite, elle va rentrer dans le sang et elle va attaquer les cellules des autres organes, et en particulier le rein et le cerveau. Et les deux grandes complications de ce SHU, c'est d'une part l'insuffisance rénale, le U c'est urémique pour insuffisance rénale, et d'autre part des manifestations cérébrales, donc ça peut être très très grave. Pourquoi est-ce que ça touche particulièrement les enfants? Alors ça touche les moins de 5 ans et ça touche les sujets âgés, ça touche les deux extrêmes des âges. Et les moins de 5 ans parce que probablement parce qu'il y a des conditions d'hygiène qui peuvent être moins bonnes, en particulier les lavages des mains, en particulier le fait que s'il n'y a pas une hygiène corporelle, comme il est dans les selles, on peut avoir ensuite une pénétration dans le tube digestif, dans les organes. Il y a un traitement? Il n'y a pas de traitement. En tout cas, il n'y a aucun traitement reconnu. Donc si on fait un syndrome hémolytique urémique lié à cette bactérie, puisqu'en fait il y a d'autres causes de syndrome hémolytique et urémique, eh bien à ce moment-là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est ce qu'on appelle un soin de support, c'est-à-dire faire tout ce qu'on peut, quand c'est grave, pour garder la personne en vie le temps que ça passe. Donc c'est la dialyse, c'est la réhydratation, ce genre de choses. On a tendance à dire que la cuisson tue ces bactéries, ce qui n'est pas le cas là, puisque les pizzas étaient a priori cuites ou au four. La majorité des Escherichia coli sont extrêmement sensibles à la chaleur, donc pendant longtemps, on s'est dit, il n'y a pas de problème, vous cuisez votre viande, vous cuisez vos pizzas, et il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, il est maintenant extrêmement clair et bien démontré que vous avez des souches de colis qui sont très résistantes à la cuisson. Et vous pouvez toujours cuire votre pizza ou votre viande, ça restera tout autant contaminé. Ça va dépendre du type de souche, parce que c'est une petite connotation génétique dans cette résistance. Puis ça va dépendre d'autres facteurs qui sont le taux d'immunité, le fait d'avoir du sel, du sucre, et même le fait d'être déshydraté, justement. Probablement le mode de fabrication de ces pizzas. Donc vous avez, si vous déshydratez ces Escherichia coli dans un produit, paradoxalement, elle risque de devenir encore plus résistante à la chaleur. Donc non, ça ne va pas forcément être tué parce que vous mettrez votre pizza au four. Il ne faut pas qu'il y ait de coli dans votre pizza. Ce qui est sûr, Marie Dupin, c'est que cette bactérie n'aurait jamais dû se retrouver dans les pizzas industrielles qui sont fabriquées dans l'usine Buitoni de Caudry, dans le nord de la France. Une usine fermée, donc, vous l'évoquiez, depuis le 18 mars dernier. Un ancien salarié du site vous a communiqué des photos qui en disent long sur le manque d'hygiène, même si les images qu'on va voir datent de l'année dernière. Ça reste là, et on a dit tout à l'heure qu'on rappelait les pizzas même de juin dernier. On voit des champignons au mur, déjà on voit que ça va pas. Quand il y a des vers sur les tapis ou les pizzas passent, ça va pas. Des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Par exemple, dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des fois des mégots de cigarettes. Là où la farine est envoyée sur les tapis pour pas que la pâte colle, et ben, il y avait des vers de farine qui pouvaient tomber régulièrement. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'accident avant. On pense que tout est aseptisé, tout est réglementé, c'est censé être parfait, mais en fait, ce n'est pas du tout les réalités. On nous cache beaucoup de choses. Pendant 18 mois, j'en ai parlé. Je me permettais d'en discuter. Souvent, on me disait que oui, j'avais raison, que justement, comme par hasard, ils étaient en train de voir ça et que ça allait peut-être changer. Enfin, que ça allait changer, mais que dans le fond, rien n'avançait. Et non, il n'y a eu aucun changement suite à ça.
On voit donc un environnement très favorable, si j'ose dire. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que ce salarié, il a déjà essayé d'alerter, hein, il le dit, il a essayé d'alerter la direction. Il avait aussi essayé de communiquer sur Internet via un média en ligne qui s'appelle Monsieur Mondialisation. Donc il a essayé d'alerter à propos des conditions d'hygiène dans cette usine. Pour répondre à la question de Pierre, oui, ça favorise peut-être aussi la... Non, ça la formation. Peur, hein, parce qu'on a du mal à imaginer qu'une chaîne de fabrication d'aliments puisse être dans un tel état. C'est juste effrayant. Et la question que je me suis posée en entendant ça dans la journée, c'est de savoir quels sont les contrôles qui sont faits. Et on en parlait un peu avant. Alors moi, je vais vous dire, avant de vous en parler, j'étais convaincu que dans des chaînes alimentaires de cette nature, il y avait des contrôles obligatoires. Alors, indépendant, oui. Extérieur. Alors non, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, sur les produits finis, c'est-à-dire sur les pizzas, l'entreprise a l'obligation de mettre en place un processus de contrôle, mais finalement, elle met en place le processus de contrôle qu'elle souhaite et elle est son propre... Elle est seule maître à bord. Elle se contrôle elle-même. Quoi. Exactement. Mmh. C'est la question de l'autocontrôle sur les produits alimentaires. Est-ce qu'on peut tout de même faire remarquer que ce type d'intoxication alimentaire, pas seulement Escherichia coli, mais Listeria et autres, était infiniment plus fréquente il y a 50, 60 ans dans une France où il y avait des dizaines de morts chaque année pour ce genre de contamination, et que contrairement à l'idée reçue... Ça s'est plutôt amélioré, c'était, oui. C'était pas mieux avant. Oui. Globalement, le paysage sanitaire alimentaire s'est plutôt amélioré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en termes juridiques, une entreprise n'a pas à mettre sur le marché des pizzas mortelles, quoi. Enfin, voilà, des aliments qui peuvent être dangereux pour la santé humaine. Ce qui interroge aussi, c'est quand même la réaction du groupe Nestlé. Quand Santé publique France a annoncé qu'il y avait bien un lien entre les infections et les pizzas Buitoni, ils ont d'abord nié. Aucun lien avéré, et le rappel des pizzas n'a été fait qu'au nom du principe de précaution. Ils avaient fait donc des tests, c'est ce qu'ils disent, sur la ligne de production et n'avaient rien trouvé, jusqu'à finalement un léger changement de ton. C'est triste, c'est terrible, on est peinés. Nous, on continue, on investigue et on se remettra en compte si c'est nécessaire. On continue les investigations. Plusieurs plaintes ont été déposées. L'avocat de plusieurs familles demande l'ouverture d'une information judiciaire. Qu'est-ce que risque le groupe Nestlé qui détient la marque Buitoni? Voilà, alors l'avocat, c'est effectivement Pierre de Buisson. Donc là, il nous a dit juste avant l'antenne qu'il y avait désormais 8 familles qui l'avaient contacté. Il doit encore avoir des parents au téléphone, hein, notamment le papa d'un petit garçon qui est décédé, hein, après avoir mangé une pizza Buitoni. Ce que risque le groupe, eh bien, je le disais, hein, une entreprise juridiquement n'a pas le droit de mettre sur le marché des aliments dangereux pour la santé, et donc y a des sanctions pénales à la clé, hein, si un jour la responsabilité est reconnue. C'est 7 ans d'emprisonnement et des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Eux n'avaient rien trouvé sur leur ligne de production. Alors, en fait, ils ont communiqué aujourd'hui pour dire qu'ils avaient mené des tests sur leur ligne de production et qu'effectivement, ils n'avaient rien trouvé sur les lignes. Alors, c'est les contrôles menés par l'entreprise. En parallèle, il y a des contrôles qui sont menés par les autorités sanitaires aujourd'hui, notamment la répression des fraudes. Ces contrôles-là, on n'a pas les résultats aujourd'hui. Et voilà, ce que dit Buitoni, c'est que les résultats des tests... C'est qu'en tout cas, il n'y a pas d'Escherichia coli qui a été retrouvé sur les lignes de production, mais il y en avait bien dans les pizzas, en tout cas. Dans les pizzas. Gilbert de Rais, qu'on parlait de scandale sanitaire, certes, c'est mieux qu'avant, mais ça reste insupportable. Alors, oui, évidemment que c'est mieux qu'heureusement de dire que c'est mieux qu'avant, parce que sinon, ce serait évidemment dramatique. Et que, souvent des gens qui disent que c'était mieux avant. Oui, non, alors pas dans ce domaine. C'est sûr que nos aliments, notre eau, doivent être impérativement extrêmement sûrs. Des accidents peuvent arriver, il y en a eu aussi des décennies. Par exemple, il y a eu des farines, c'est une des pistes, hein, qui ont été contaminées. Ouais. Et aux États-Unis, en Allemagne, il y a eu des problèmes avec les farines. Mais il faut impérativement, comme pour d'autres aliments, qu'il y ait des contrôles obligatoires, officiels et publiés. Il faut se méfier de la nourriture industrielle en règle générale ? Globalement, on va dire non, parce que vu les millions de choses qu'on consomme, si c'était quand même pas correct, on aurait des éléments comme ça qui arriveraient tous les jours. Ça reste absolument dramatique, parce que c'est une maladie qui est très très grave. Mmh. Et les enfants. Et les parents qui sont aujourd'hui évidemment sous le choc et désemparés et qui nous disent tous... Notre vie s'est arrêtée à cause d'une pizza. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir à toutes et à tous.
Salut. Bonsoir Mathieu, rebonsoir, un épisode neigeux assez inattendu. Oui, c'est pas un poisson d'avril, mais nous pourrions nous réveiller avec un paysage enneigé demain matin. On devrait même sur la moitié nord, Météo France en alerte orange neige et verglas dans 9 départements du Nord et de l'Auvergne. Retour de la tartiflette, si on nous avait dit ça la semaine dernière. Neige ou pas neige, telle est la question. That is the question. Jusqu'à 10 cm de neige attendue par endroits dans le nord de la France. C'est pas un poisson d'avril, la neige peut être demain. En 48 heures, l'ambiance a radicalement changé. Ce matin déjà, on avait ressorti les doudounes. La neige qui arrive, et je voulais partager avec vous le dicton du jour, c'est la Saint-Benjamin aujourd'hui. Ah, alors et souvent à la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin, bah, c'est raté. C'est raté. Ah oui, ça inspire évidemment la neige qui tombait déjà aujourd'hui hein, dans le nord du pays. En Belgique ce matin, vous allez le voir à l'écran, en Allemagne aussi. Et quand on se pose des questions météo, qui est-ce qu'on va voir, Babette? Laurent Romeschko. Bah, Louis Amar, Michael Robert sont allés demander à Laurent Romeschko si de la neige au printemps, c'était si spécial. Alors, elle s'explique, cette vague de froid, par un changement de régime. C'est vrai qu'on avait, au cours de ces précédents jours, de l'air qui arrivait du sud. Il y a le fameux Sirocco qui a déposé les poussières de sable sur les voitures, sur le mobilier urbain. Et là, il y a un changement de flux. Et puis, on a une descente d'air froid qui arrive de mer du Nord, du Benelux, avec de l'air très humide et surtout très froid. C'est ce qui va donner ces précipitations et surtout la baisse des températures. Hein. Ce sont des épisodes qui sont pas exceptionnels. Ça arrive d'avoir de la neige en avril. En revanche, ce qui est assez étonnant et ce qu'on remarque tous, c'est que on est sorti de l'hiver, on est au printemps depuis le 20 mars et qu'on n'a pas eu de neige durant cet hiver en plaine sur les Hauts-de-France, sur la région parisienne. Il n'y a pas eu un flocon de neige ou très très peu et il faut attendre le début du printemps pour que ça arrive. Ça, c'est remarquable. Alors il faudrait être prudent sur la route, bien sûr, ça promet en Ile-de-France demain matin. Ce sont les agriculteurs qui s'inquiètent particulièrement. Des viticulteurs ici, vous allez le voir, qui ont peur pour leur production et qui s'organisent comme ils peuvent. De la pluie toute la journée, une ambiance humide comme on a aujourd'hui et du froid à moins 3, moins 4 degrés, là c'est tout est réuni pour que la récolte soit détruite. On positionne entre 400 et 500 bougies à l'hectare, un hectare c'est 10 000 m2 et une bougie représente dans l'ordre entre 8 et 11 euros la bougie et pour tenir 10-12 heures. Quoi. Si on allume 12 heures, ça fait 4500 euros. La baisse brutale des températures et l'épisode neigeux dont nous parlons sont prévus pour durer jusqu'à samedi ou dimanche. L'actualité en Ukraine, dans le 5 sur 5 ce soir, un couloir humanitaire s'est ouvert à Mariupol. Mariupol, la ville portuaire du sud-est du pays dont on a beaucoup parlé, ville martyre, où nombre de civils survivent comme ils peuvent. On manque d'eau, de nourriture, d'électricité sur place et la Russie avait promis un cessez-le-feu local aujourd'hui, permettant l'ouverture d'un couloir humanitaire vers Zaporijjia, plus au centre du pays, à un peu plus de 200 km de distance. 45 bus au total, vous les voyez, étaient prévus. Je vous propose d'écouter deux femmes rescapées de Mariupol qui témoignent du mois qu'elles viennent de passer dans la ville. Попадание в дом было прямое у нас там. И все это искали, трупы слаживали там, кого убило или ранило, все складывали в здании там. Bonsoir Andrei Kourkov. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Vous êtes le plus célèbre des écrivains ukrainiens. Votre livre, Les abeilles grises, en français, vient d'être traduit en français. C'est aux éditions Liana Levy. Vous êtes en France pour un passage éclair. Arrivé hier, vous repartez demain. Vous avez eu droit à une dérogation spéciale, en réalité, parce que jusqu'à 60 ans, oui, aucun Ukrainien n'a théoriquement le droit de quitter le pays. Oui, mais je fais quoi? Je demande une lettre de soutien de l'ambassade du pays où je veux aller. Et normalement, je reçois la lettre par email. J'imprime et avec ça, je peux passer, traverser la frontière. Mais le problème est des queues, parce que parfois, il faut attendre beaucoup des heures. Et au début de la guerre, les gens attendaient dans le queue 5 jours, 6 jours avec la famille dans la voiture. Pour passer la frontière. Pour passer la frontière, oui. Mais ça a été un peu plus simple pour vous ou... Pour moi, oui, c'est parce que j'ai trouvé un passage un peu moins populaire. C'est loin de la route traditionnelle et comme ça, je peux traverser plus vite. Alors, vous habitez à Kiev en temps normal et au début... Normalement, oui. Au début de la guerre, vous êtes parti vous isoler dans une maison de campagne à moins de 100 km et puis finalement, beaucoup plus loin, à l'ouest du pays. Est-ce qu'il existe des endroits où on se sent en sécurité en Ukraine aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que les missiles... partout.
En fait, la Russie bombarde l'Ukraine des Biélorussies, des mers noires, de la Crimée, de la territoire russe. Et les missiles balistiques peuvent en fait attraper les maisons, les entrepôts de nourriture qui sont 800 kilomètres, 1000 kilomètres de distance. De distance. Comme ça, où on habite maintenant. On peut être la cible de ces bombardements. Oui, oui, et il y a toujours des alertes des bombardements. 5-6 fois par jour. Vous êtes né en 1961, c'était encore le temps de l'URSS, bien sûr, et vous-même, vous êtes né à Saint-Pétersbourg, oui. C'était Leningrad à l'époque. Vous écrivez en russe. Est-ce que vous vous sentez ukrainien, russo-ukrainien? Est-ce que c'est une double identité? Non, je suis ukrainien. Je suis anarchiste comme tous les Ukrainiens. Je ne suis pas un homme collectif parce que les Russes sont collectifs. La mentalité russe, c'est la mentalité monarchique. Ils ont besoin d'un tsar. Et si le tsar reste 30 ans, c'est la stabilité pour les Russes. Ah oui. Pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité. C'est votre sensibilité politique qui vous fait ukrainien. C'est plus que politique parce que c'est aussi l'esprit national. On est très politisé en Ukraine. Beaucoup plus politisé qu'en Russie. À cause de ça, en fait, on n'a plus que 400 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice d'Ukraine, parce que chacun, ukrainien d'origine russe, d'origine hongroise, il veut avoir sa propre parti, parce qu'il est différent, et ses idées sont différentes des idées des autres. D'ailleurs, je reprends des propos qui sont les vôtres, hein. Vous écrivez, contrairement aux Russes, nous sommes habitués à l'instabilité. Pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité. C'est ça. Alors dans le roman, les abeilles grises, vous intéressez précisément aux Ukrainiens qui vivent dans le flou depuis 2014, dans la guerre du Donbass dont on a parlé. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié que là-bas, la guerre, ça fait 8 ans que ça dure en fait? Oui, ça continue, mais maintenant c'est la zone grise. En fait, la zone grise, c'est la terrain entre les positions des séparatistes russes et des positions d'armée ukrainienne. Et pendant, c'est-à-dire la guerre stable, fixée, les gens restaient dans les villages presque abandonnés. Et la longueur des zones grises, et même que la longueur de la ligne de front, c'était 430 km avant 24 février. Maintenant, c'est 3000 km. Les lignes de front, mais là, il n'y a pas de zones grises parce que, en fait, la guerre, la front se bouche et tous les villages sont détruits. Au fur et à mesure. Oui. Et votre roman se passe dans un village pris en étau, justement, entre l'Ukraine, l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. On a beaucoup parlé de ces Ukrainiens proches de la Russie. Aujourd'hui, le monde a aussi découvert des Ukrainiens, d'une manière générale, très attachés à leur drapeau, avec un fort sentiment national, patriote. Oui. Ça vous a surpris? Un peu, mais pas trop. J'étais surpris par le niveau de résistance, parce qu'on comprend que l'armée russe est 7-10 fois plus grande, mieux équipée. Ils ont plus des avions, des chars, de tout ça. Mais les Ukrainiens ont plus d'esprit et plus de volonté de rester indépendants, libres dans le pays indépendant. D'ailleurs, il y a un des ferments de cette résistance, et on en a beaucoup parlé ici, c'est le président, bien sûr, Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що слова, поки без конкретики. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. Alors vous parlez de lui, de Volodymyr Zelensky, comme d'un président par accident qui vous a apparemment agréablement surpris. Au moment, oui. Oui. Oui, mais bien sûr que je n'ai pas voté pour lui et je n'ai pas accepté lui comme le président. Mais aujourd'hui, il jouait un rôle très important. Et il est jeune, il est dynamique. Extrêmement bon communicant. Oui, bien sûr, il est comédien. Et sur l'autre côté, on a un vieux fragile qui se cache dans les bunkers. Et comme ça, c'est la guerre entre le passé et l'avenir. Et l'avenir doit gagner. C'est pas possible que l'avenir perde. C'est l'ancien monde et le nouveau monde. C'est comme ça qu'on dit en France. Au tout début du mois de février, vous disiez, c'était sur France Culture, je pense que la guerre est probable, mais pas la guerre totale, pas l'occupation de l'Ukraine telle qu'on la voit aujourd'hui. Je me trompais. Beaucoup se sont trompés, à ce sujet. Je crois que personne ne pouvait pas venir croire que la guerre du XXe siècle est possible aujourd'hui en Europe. Et aujourd'hui, vous dites que la guerre pourrait durer jusqu'à la mort de Poutine. Oui.
C'est ça la condition de la fin de la guerre? Vous ne croyez pas aux négociations, aux discussions? Non, je ne crois pas. Cet homme, c'est, il n'y a pas de raison à croire un mot de ce homme. Le problème est que s'il est mort, il y a trois possibilités. Si c'est les oligarches qui reprennent le contrôle du pays, la guerre va arrêter parce que les oligarches n'ont pas besoin de la guerre. Ils veulent être réacceptés en Europe. Ils veulent avoir accès aux richesses dans les banques suisses et à Villa, à Nice, et Cannes et Biarritz. Mais si c'est les généraux des FSB ou les généraux d'armée, ça sera une pause et après la guerre peut-être va continuer. Alors justement, ce matin, on découvrait en France le podium, ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais quoique, le podium des entreprises, des enseignes préférées des Français. Et on découvre, c'est un classement qui est établi avant la guerre bien sûr, que des marques comme Leroy Merlin ou Decathlon sont en tête. On a eu des débats ici sur leur activité en Russie. En tant qu'intellectuel ukrainien, est-ce que vous demandez à ce que ces entreprises françaises arrêtent complètement leurs activités avec la Russie? Oui, je pense que c'est immoral, en fait, d'avoir la commerce avec la Russie. C'était immoral à partir de 2014, mais Angela Merkel a décidé de construire Nord Stream 2 avec quelqu'un qui a annexé la Crimée, qui a tué beaucoup de gens en Ukraine, qui finançait la guerre à Donbass, en fait. Et c'est-à-dire que pour l'Europe, parfois, la commerce est plus importante que les valeurs démocratiques. Vous trouveriez normal que les Français se chauffent moins l'hiver prochain de façon à ne plus importer de gaz russe en France? Si vous pouvez trouver une source en Norvège, ça sera mieux, bien sûr. Parce que, en fait, quand les Allemands réchauffent les maisons, ils financent la guerre contre l'Ukraine. La même chose ici, en France, en Italie, en Angleterre. Quel est votre état d'esprit, là, aujourd'hui? Vous êtes combatif, on le sent dans vos propos, inquiet? On peut dire que je suis combatif, mais je ne suis pas un combattant. Je fais ce que je peux faire. J'écris beaucoup d'articles pour la presse internationale. Chaque matin, je téléphone mes amis dans les villes occupées et pas occupées, si je peux les trouver. Et je pose des questions à propos de la situation ce matin pour comprendre qu'est-ce qu'il passe. Et j'écris, je raconte, je travaille avec des mots. Avec des mots, pas avec des missiles. Et où est-ce que vous avez appris à parler français? Je crois que vous parlez très bien six langues. Parfois, oui, parfois non, parce que je n'ai pas parlé le français pendant deux ans de pandémie. Et maintenant, on me manque des mots parce que je veux dire plus, mais on me manque des mots. Vos mots, on peut les lire dans cet ouvrage. Donc, votre roman publié en France et traduit en français, Les abeilles grises quand le grand frère russe surveille. C'est signé Andrei Korkov. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie Dupin. On peut vous entendre tous les matins à 6h50 sur RMC. Merci beaucoup professeur Deray, chef du service néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dans un instant, nos invités du dîner, Macha Meryl, Jean-Pascal Zadi, L'œil de Pierre, Le Vu et les actualités de Bertrand. A tout de suite, on vous attend.